Jack Dinette, j'écoute. Oui, bonjour Jack. Ici la commissaire Maggie Dubois. Ah, allez, bonjour Maggie. Comme d'habitude, le monde a encore besoin de nous. Si je peux me permettre, Jack, la statuette serait plutôt aztèque, voire toltèque. Il est vrai que Maggie m'a paru confuse. Oui, elle m'a semblé troublée, mais elle se trouble toujours lorsqu'elle t'appelle. Tu sais bien l'effet que Jack Dennett fait aux femmes. Cependant, l'affaire pourrait être complexe, voire compliquée. Joe, la vérité est toujours droit devant. Voir au-delà. Voir plus loin. Joe, on va commencer par prendre la deuxième à droite. Maggie, Maggie. Tu es bien belle en ce miroir. Le ministre de l'Intérieur. Oh, encore une sale affaire. Et c'est pour ton cul si ça se passe mal. Il te l'a dit. Jack et Joe, les supplétifs de la judiciaire. Jack. Belle-père de Burne. Joe, la cervelle à faire exploser Deep Blue. Dangereux, mais efficace. Pas de procédure. Là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Je t'aime, mon chéri. Avance là, fais pas chier! Bonjour messieurs.
Cette affaire me perturbe énormément. La troublante disparition d'une statuette aztèque. Jamais découverte. D'ailleurs, on ne prononce pas son nom. Au musée des arts premiers. Le musée ne nous a pas appelés ce matin pour signaler la disparition de... Vous savez quoi? Le directeur ne m'a tenu informé de rien du tout. Néanmoins, pour ne pas nous aider, il a dessiné ce vague croquis. Voilà. Cette affaire m'emmerde déjà. Mais la dernière phrase du Premier ministre. Le temps compte. Faites vite, on ne sait jamais. Un scan approfondi du dessin montre plutôt une influence toltèque du sud de l'âge du bronze. Maggie, non seulement il faut faire vite, mais il faut faire très vite. Car l'homme qui a tenu le crayon, malgré un certain talent, de toute évidence, semblait être extrêmement effrayé. Oui, comme un enfant, terrifié. Il s'habille toujours ainsi? Oui, paraît-il que c'est plus pratique en cas de disparition. C'est pour les effets spéciaux. Il est surprenant. Oui. Bon, et messieurs, n'oubliez pas. Cette statuette n'a jamais été découverte. D'ailleurs, elle n'existe pas. Ou très peu. Moi, je trie les gens qui entrent chez moi, monsieur. Alors vos bizarreries, il n'en est pas question. Ça vous dit quelque chose? Aucune idée, mais j'aime bien. Oh, il y a que des gens bien ici. Ça vous dit quelque chose? C'est une marque de chaussures?
Vous voulez une petite tartelette? Mais si je devais photographier tous les passagers, le bateau n'avancerait pas beaucoup. Et ça? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Un nouveau film? Et toi là-bas, qu'est-ce que tu fais? Pour moi, tu sais, mon gars, tous les gens sont étranges. Surtout ici. Et ça, ça vous dit vraiment rien? Ça serait pas le nouveau logo de l'Europe? Joe, je crois qu'on va pas y arriver là. Merci Duminil. Mais ne vous éloignez pas trop. Qu'est-ce que cette nouvelle bizarrerie, Maggie? Oh, j'avais bien pensé l'amener en psy et je me suis dit que vous pourriez peut-être en tirer quelque chose. Sans allusion sexuelle, bien évidemment. Oui, enfin, je préfère des partenaires plus éveillés. Voyez-vous? Enfin, retournons à nos moutons. Enfin, cette brebis égarée. On a bien essayé de lui enlever le jouet, mais rien n'y fait. Impossible. Elle s'y accroche, comme si sa vie en dépendait. C'est certainement une sorte d'état hypnotique. Et elle louche quand on s'approche de trop près. C'est... bizarre. Joe, est-ce que tu penses pouvoir décrypter quelque chose d'elle? Et est-ce que tu as une idée là sur ce bébé énucléé? Par les talons de Mercure, quelle atrocité. Je vais essayer de lire sur ses lèvres ou... ou du moins deviner ses pensées profondes. Comment fait-il pour lire sur les lèvres les yeux fermés? Eh bien, gentlemen, il ne fait aucun doute que cette jeune femme a été hypnotisée. Elle ne fait que répéter en boucle tlatok 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 tlatok. Ça vous dit quelque chose? Bordel de merde. Mais c'est le mot qui était inscrit sous la statue volée. Le directeur me l'a communiqué ce matin. Tlatok était le dieu de l'eau, principalement, et par conséquent de la pluie et de l'agriculture.
On lui attribue des morts liées à l'eau ou à la foudre, ainsi que de nombreuses maladies, telles que la goutte, l'hydropisie, les ulcères, la lèpre et les maladies de peau. Les personnes décédées dans de telles conditions étaient censées être accueillies sur son territoire, le Tlatoan, afin d'y jouir d'une bienheureuse vie éternelle. Allô, Arthur ? Oui ? Tenez-vous prêt, c'est pour demain soir, au lieu secret, à 19h33 précise, avec votre costume de cérémonie. Très bien. Et pas en costume de carambar comme la dernière fois. Alors, Jack, ce signe qu'on trouve partout, une piste ? Des signes ? Mais quel signe ? Signes, signaux. D'après Pierce, la sémiotique n'est qu'un autre terme pour désigner la logique dans son ensemble, en général. Je sais que la femme que vous avez interrogée portait ce signe tatoué sur le front. Le même qu'on trouve dans les ruelles et les caves. Alors ? C'est une affaire... Étrange. De toute façon, je ne vois pas d'autre synonyme au mot « affaire ». C'est surtout une affaire qui dure. Mais la peur gagne la ville. 11h, 16 minutes et 36 secondes d'enquête, approximativement. Ce signe est presque infiniment mystérieux, mais ce qui me trouble le plus, c'est ce regard louche. Il se passe des choses étranges dans les bas-fonds. Des rumeurs courent comme quoi vous n'auriez pas arrêté la drogue. Ah oui, oui, effectivement, je joue encore très souvent de la batterie. Oui, c'est une drogue. Et ça m'aide à réfléchir. Oui, en tout cas, je maîtrise de plus en plus le ternaire. Et une affaire à trois temps, c'est bon. Très bien. On est en plein flou. Eh bien, je vais aller voir du côté des tatoueurs. Sacré Julie. Toujours là où ça fait le plus mal. Ah, comme le disait la grand-mère de Jean-Paul Sartre, et qu'elle se plaisait à le répéter d'ailleurs, glissez, mortel, n'appuyez point où ça fait mal. Oui, c'est ça. Glissons. Une dernière chose. Le commissaire Dubois va se contenter de si peu. Tel que je le connais, il veut le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Julie, un de perdu, 10 de retrouvé. Il m'a pris le chien et il veut une pension alimentaire. Autant dire qu'il peut aller se brosser. D'autant plus que cet enfoiré, c'est un crémier qu'il cherche pour me remplacer. Mathématiquement, ça se tient. Joe, je t'adore. Non. Tlaloc doit rester parmi les siennes. La statuette de l'immortalité ne doit pas être retrouvée. Sous peine de mort. Instantanée. Tiens donc. Et qui aurait pu penser le contraire? En tout cas, tu sembles bien informé sur cette statuette. Par les talons de Mercure, je pense pouvoir le faire parler. Son teint blafard indique qu'il s'est couché tard. Et son haleine révèle une boisson forte qu'on sert à l'est de la ville. La boue verte sur ses chaussures provient d'un quartier sans entretien. Il est fort, lui. Toi, mon bonhomme. La marque. Ah, je le savais bien que cet Égyptien était fourbe, hein. Mais tu vas te mettre à temps, mon gaillard. Attendez. J'ai les corps fragiles. J'ai 5 enfants à la maison. Et en plus, je viens de me refaire faire les dents. Tu vas parler, vermine. Ne me frappez pas. Je vais vous amener là où est la statuette. Mais pas un mot. Mais ça reste entre nous. Je risque la tête à cette affaire.
Je m'en doutais. Fourbe et traître. Fourbe mais habile. Bonjour, messieurs. C'est un honneur de recevoir le célèbre tandem G et NG. Paula, ma chère, allez donc les ligoter fermement. Attachez-les solidement, ces deux-là sont capables de tous les tours. Je ne vous présente pas Gigi, mais je crois que vous ne connaissez pas Paula Streus. Elle adore faire souffrir. Paula, ma chérie, dis-leur ce que tu fais aux mouches. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de vous? Lorsque je vous ai vu tomber aux chutes du Niagara, je pensais bien m'être définitivement débarrassé de vous, mais vous êtes si imprévisible. Quoi qu'il en soit, Tlatoc, la statue de l'immortalité, est réapparue et va bientôt faire basculer le monde entre mes mains. Un avenir radieux s'ouvre devant nos pas. Enfin, pas pour tout le monde. Imaginez le rêve de l'humanité enfin réalisé, vaincre la mort. J'en serai le guide. Le pouvoir ultime, un paradis pour les fidèles. Je serai un dieu. Pauvre fou, les dieux sont seuls. C'est comme les milliardaires. Ça, c'est déjà fait. Dommage. Mais je me doutais que vous ne sauriez comprendre. C'est pour vous. Oui. Mais... comment ça a avancé ? Comment ça, le temps n'attend pas? J'arrive, mais vous ne commencez pas sans moi. Gigi, occupe-toi d'eux et tu nous rejoins. Voilà, on y va. Messieurs, je vous quitte. J'ai rendez-vous avec la fin du temps. On est vraiment pris, comme des rats. Tu as réussi à joindre Maggie? Je te demande pardon. Je n'ai aucune connexion. Ce quartier est très mal desservi, ou alors le local est très isolant. Peste. Jack? Hein?
Ah, oui. On n'y arrivera pas. Ces murs sont en béton armé. Et la fenêtre, c'est pas du plexi. Par contre, j'ai d'autres ressources. Magnifique, Joe. Allez, c'est parti. Allez, plus de temps à perdre. Oui, on n'a pas toute l'éternité devant nous. Jack, attends. La carte. C'est là. Allons-y. Contacte Maggie, on devrait y être avant elle. Allô, Maggie? Maggie? Maggie Dubois, répondez, Maggie. Oui. Ah. Archibald, c'est derrière tout ça. Vous dirigez vers un lieu secret d'un rassemblement mystique. Mystique ? Oui, une sorte de réunion d'exaltés fanatiques, des illuminés et très inspirés. Des gens dangereux, quoi. On envoie le lien GPS, dépêchez-vous. Vous pouvez m'indiquer la route ? Oui, bien sûr. Deuxième à droite, puis tout droit sur 2 km, tour du rond-point. À gauche sur 300 mètres, attention au ralenti, il y aura une grand-mère qui traverse. Et puis tout droit et troisième à droite. On se gare en douceur, il y a un hôpital en face. Archie, tes minutes sont comptées. Passera pas là. Je m'y ferai jamais. Thank you.
Et voilà. Fin du concert. Hey Joe, on les ligote? Justement, j'ai de la corde. Clatoc, dans ton royaume, nous serons surpuissants dans les limites de toute spéculation. Clatoc, ce sera bientôt la dissolution de la vie dans le néant. Car pour avoir l'immortalité physique personnelle, nous devons mourir et pour mourir, voici le traitement pour la maladie de la mort, afin de devenir des dieux. Clatoc, tu nous renverras régner sur la vie, magnifiée et immortelle. Archibald, vous parlerez de moi à Tlatoc.
parti. Je vais là. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est encore long ce cinéma. Et qu'est-ce que tu fais là, toi? Hein? J'ai l'impression d'être un point. Un petit point. Rien. Bien sûr. Bien sûr.
Jack, qu'est-ce qui s'est passé? Tu avais disparu. Jack. Jack Dennett. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais... encore du beau boulot. Et coupez-moi ce film, idiot! Bon, surtout n'y touchez pas. Vous pouvez l'emballer et l'emporter, mais surtout n'y touchez pas. Je ne veux plus rien avoir à faire avec cette statuette. Jack Dennett! Surtout ne croyez pas que nous allons en rester là! Le lâche, il a préféré en finir. Par les talons de Mercure. Joe, comment avez-vous réussi à figer toute la foule? Oh, c'est un peu comme la physique quantique. En un peu plus complet. En un peu plus complet. En un peu plus complet. C'est un bug d'émotion parasitaire. En un peu plus compliqué. Merci. Jack, comment était-ce de l'autre côté? Immortalité? C'est chiant. Bon, allez, ma chérie, plus tard.